Eh bien, écoutez, ça a fait les titres hein, du journal, notamment d'RTL TVI hier. Ça, évidemment, ça surprend du monde. Les policiers qui souffleraient eux-mêmes parce qu'on les oblige à contrôler X personnes. Alors, ils ne sont pas assez nombreux pour organiser assez de contrôles. Et donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils font un contrôle? Hop, ils font la file les uns après les autres et ils soufflent dedans. Ce sont des syndicalistes de la police qui dénoncent ça parce qu'évidemment, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas très normal. Les journaux Sud-Presse, notamment la Meuse, la capitale, ont décidé d'aller enquêter et ont trouvé un policier qui témoigne et qui dit ça arrive. C'est tout le temps le cas, mais on est censé arriver de temps en temps. Mais ben voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire donc dans les journaux du groupe Sud-Presse. Et attention, on nous dit que les policiers réclament plus de moyens et qu'on va leur apporter ça dans le cadre de la discussion sur le budget, plus d'engagement, plus de collègues, la discussion sur le budget qui reprend aujourd'hui. Donc voilà, un dossier qui est en cours de traitement. Et c'est dans quel journal en tout cas? C'est dans Sud-Presse. Voilà, merci à vous. 7h12, on va retrouver Yann Soleil, histoire de voir ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Et puis la musique, évidemment, tout d'abord, avec Indochine, et c'est le troisième sexe. J'aime bien Michel, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ah non. Un petit bonjour au Sismiqueur. Bonjour à Thiel. C'est un des Sismiqueurs. Oui, c'est un. Il est à Boston, non? Oui, je pense bien, oui. Ben nous, on est à Bruxelles, ça commence pareil. Mais... Un chou. Rien, des choux de Bruxelles. Un gros chou. Que les petits sont à la crème au bord. Ah, mais il fallait m'expliquer.